Salut à toutes et à tous les amis, ici Kaiser von Kerstein, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve sur Total War Warhammer 2 avec l'épisode 13 avec le comte Noctilus von Kerstein de la flotte de la Terreur. La dernière fois je vous avais laissé devant une des premières batailles de quête entre guillemets pour récupérer les parchemins du champ marin. Ils sont trois, donc là on aura le premier si on gagne cette bataille. Donc là j'ai fait tout de suite le déploiement de mon armée, j'ai mis tous mes arquebusiers boucaniers zombies en première ligne. Les boucaniers en seconde ligne, les lanciers en réserve avec Noctilus et sa magie. Sur le flanc, j'ai gardé des unités assez mobiles. J'ai gardé mon tourmenteur Mangul caché et dans la forêt. Et sur les côtés, j'ai mis mon artillerie, donc l'arène Bess à droite et le colosse Nécrophage à gauche pour un barrage d'artillerie. Même si l'ennemi que nous avons affronté a 3 canons qui ont la même portée que notre Queen Bess, donc soit 450, ça risque d'être compliqué. Mais bon, on va essayer de se battre et montrer que c'est nous les rois des pirates. Ah, la Queen Bess. Je vais lui dire tirer dans le tas là pour commencer. Les loufunets ça sert à rien, mais sur les champions maraudeurs pour débuter ça m'irait bien. A gauche, le colosse nécrophète commence à tirer aussi également. Ouais, donc là avec le canon on va devoir faire attention. Alors, au centre, on a quoi? Du berserk maraudeur, d'accord. On a quand même une belle portée là. Alors, le tourmenteur Mangul ici, attention. Il y a quoi là? Oh, c'est de l'anti-large, d'accord, j'ai compris. On va se retirer. Le général est là, on va essayer d'aller chatouiller un peu. Je vais le régénérer un peu mes unités. La Queen Bess de son côté elle fait un peu le job. J'essaie d'attirer un peu la figure ici. Attention. Oula, oups. On va attirer. Une unité de renom, attention. Là il faut faire parler la poudre là-dessus. Hein. Les lanciers vite. On essaie de les faire tirer. Bon, c'est des monstres, vous le voyez. Le monstre n'aime pas qu'on lui tire dessus en général. Là, j'ai mes bombardiers en réserve, ça c'est cool. Vous trois là. Visez-moi, général. Non, visez-moi la viande qui attaque. Donc là j'ai envoyé tout de suite mes unités en... Oh. Et les berserkers maraudeurs ils sont plus prenaient le tarif. J'ai fait un peu dans mon armée. Attention. Voilà. J'ai déjà perdu 200 hommes, c'est pas mal dans l'affaire. J'ai envoyé un petit par là et j'ai envoyé un petit miag ici. Et... Le tourmenteur Mangul est aux prises avec les 8 corcheurs. On va leur donner un petit malus. C'est parfait. Alors, le comte Noctilus, là, il est en train d'éliminer les unités ici. Je vais l'envoyer aider les lanciers. Attention, bon boulot. Il y a un débordement d'Aldébardia assez nombreux. Je veux dire, ces arcs de tirer là-bas sur la gauche. Je vais essayer de dire à mon unité de venir assister là. Là, je vais dire à cette unité de tirer ici. Je vais le faire fuir, c'est bien. Alors, pour le moment, le tourmenteur Mangul s'en sort bien ici. Il y a quand même deux régiments de corcheurs sur le dos, mais il arrive à se tirer. La Queen Bess de son côté, il se des munitions. Là. On va lui dire tirer là-dessus. J'ai envoyé 6 unités de boucan de berserker. Parce qu'il y a le berserker, ça va faire les déchets. Je vais dire ça. Hop. Hop.
L'armée prochaine, hein, sans vous pas se le cacher. Ok. C'est bien. Et bon, on va l'assister. Et on va tirer là-dessus. Oh, vache, l'armée commence à le souffrir. C'est pas une unité d'arquebusier, je crois. Bon, c'est pas grave, l'arquebusier, ça se remplace rapidement. Le colosse Necrophex qui fait un peu le job ici, s'il pouvait aider un peu, ça serait cool. Ok, donc là on a 1000 contre 400. C'est une armée d'élite, hein, donc on a. Franchement, c'est normal qu'on galère. Je vais essayer d'aller aider par là, même si l'écorcheur, écorcheur en armure, c'est compliqué à gérer. Je veux dire à mes arcs-de-vie de se focaliser sur le retour de général adverse. J'ai un missile sur un réel dossier. Ok, ouais, on va remettre un petit moins 30 là. Je veux dire à cette unité de s'occuper de là. Je veux dire à cette tir là. Ici on va faire un petit tir. Je vais tirer là-dessus vite. Le petit le surtout pour revenir là parce qu'il y a des complications. Toi tu me tires par là, toi tu me tires là. C'est bon, c'est mon ennemi qui est blessé, excellent combat. Bon. Les nurses commencent à se faire massacrer. Oh, notre mandu est toujours en difficulté là. Bon, je vais peut-être pouvoir rapatrier du renfort. Ok, c'est bon, c'est bon. Donc, je vous laisse là, je vais faire la poursuite et je vous retrouve sur la map de campagne. On a réussi à battre l'amiral du Reich Ogouf, récupérer le champ. Il a encore une bonne partie de son armée en vie. On a perdu pas mal d'unités dans l'affaire. Mais je pense qu'on va déjà assimiler les prisonniers. C'est que 4%, mais c'est ça de prix. Et là, on a peut-être l'opportunité de prendre Alaïk si tout va bien. Quoique, non, en fait, vu l'armée complète, on va compliquer un moment. Oh non! Encore eux! Rien de défense en mêlée. Ok. Eh ben, ça promet. Là, on a un crâne. Le Mandgul qui a repris un nouveau niveau. On va booster sa compétence d'assassinat. Admettons que je vais là. Ça donne quoi? Bon, bah, je crois que je vais devoir partir sur une éradication des nains. Ouais. Tant pis, maigre trésor, on gagne toujours 1500. C'est quoi de ça? On va les éviter pour le moment parce que je crois qu'on a des complications. J'ai perdu beaucoup d'unités là-dedans. J'essaie de les fusionner entre eux pour voir ce que ça donne. Moi je vais fusionner, je vais recruter des nouveaux bouclamés pour compenser rapidement. C'est pas mal. Et deux cadavres du feu en attendant. Retour de compétences. Ok, on va se faire naturel, ça c'est cool, la fin. Et on va faire votre peau de singe pour une résistance ultime améliorée. Ils assiègent ou pas? Non, ils n'assiègent pas apparemment. Admiral of the fleet. Ouais, d'accord. Ils ont bien attendu leur moment, les vicieux nains là. Moi qui pensais que j'aurais la paix un jour, bah je suis loin du compte. Ok, donc là je vais augmenter ça pour la corruption vampirique. Et là je vais me faire une pause, je sais pas si je pourrais recruter quelque chose. Non, malheureusement. Espérons que ceux-là ne m'attaquent pas parce que ça va être très compliqué. Ils ont de la caronade en plus. Là, ça, j'ai peur qu'ils m'attaquent. Donc j'ai de la chance. Ok, alors. Ça donne quoi ça? 45, qu'est-ce qu'on peut te mettre?
Ça, ça peut être bien. Ça, ça me plaît bien. J'ai revenu généré, coût de recrutement. À 5 de loyauté, c'est pas mal. Ok. J'essaie de discuter avec Khemri pour des traités. Donc, je doute qu'il le souhaite. Ah bah, déjà, il n'y a pas de tribu là, hein. On va se calmer, monsieur. Et je pense que je peux rien faire d'autre. Je vais essayer de pas trop traîner pour. Parce que là, je vous avoue qu'il y a plein de menaces autour de moi. Et ça va être un épisode assez compliqué. Bon, ça va aller. Pour le moment, le roi du temps, il me laisse tranquille. Et je les laisse tranquilles, donc pour le moment tout va bien. Faut que les pirates me voient pas. Non, ça va, pfiou, on a eu chaud. En fait, j'ai pas traîné de. J'ai pas trop traîné là. Premier champ marin. Donc ça voudrait donc dire que le deuxième est quatrième, donc ça veut dire qu'il va nous falloir atteindre les 7000 points de d'infamie. Pour affronter les corsaires du dos de dragon, d'accord. Ici, je vais renforcer mes défenses, j'ai pas confiance. J'ai peur que si je m'en vais à Laïc, il risque de. Il risque de revenir. Quoi. Il me reste un slot pour un cadavre bouffi. De la CG à la Lique. Et là je vais retourner avec mon amiral ici. Étant donné qu'il n'y a plus d'armée ici, on va en profiter. Et peut-être même que ça va les inciter à sortir. Et c'est ça qui serait l'idéal. Donc ça voudrait dire que là il nous faudrait juste Cyrus et on serait peinard. Par contre non. La barbe gauche. Mais pas loin d'être chiant, quoi. Vous faites bien la putain sur votre race, Luna. Chiant comme jamais, quoi. Là, je vais retirer les impôts de la province. Bon, on va pas trop traîner, il faut aller le plus vite possible aux îles sorcières. Deux tours, corruption vampirique et garnison. Ok. On va pas construire de bâtiments de siège pour le moment. Pas de. D'Arthur et de siège, pardon. C'est une perte de temps pour le moment. Notre armée, là on se pose aux îles sorcières et on attend. Où ça va arriver, disons. Ah mince, évidemment c'est pas le bon endroit. Ah, une armée de sauvages, on va dire. On met tout, je me retire. Non, j'ai dit je vais me retirer. They won't stop me. Attack. Get us out of here. I have sailed the world. Fight. En plus, ils ont le culot de nous piller, les rebelles. It's time to take. On peut pas leur dire une mission sur le sud. Get going. Couronne de commandement récupérée. Vampire of the waves. Alors, Lina, ils ont une armée ouf. On pourrait faire tomber Belaliad. Le problème, c'est que ça nous mettrait en guerre avec. Ouais, c'est une tournée avec du monde, quoi. Non. Noctilus, tu vas te rendre tout de suite à la chèque. C'est pas mal là. On ne pourra pas recruter, hein, logique. Donc ce qu'il nous faudra ici, dès qu'on aura peut-être fait ce qu'il faut. 1400, ça fait cher de rite.
Mais, comme on a pas mal de sous, c'est à discuter. Donc 5000, 6000, 7000 quoi. On est à 4400, donc il faut encore 2000, moins de 2600. Ok. Je pense qu'il va y avoir des villes à piller et à raser à un moment. Et bah là, du coup, on va améliorer ça pour avoir des lanciers. Parce que dans cette armée, on en a besoin. Je remplacerai les deux cadavres bouffis, j'ajouterai du boucanier, artilleur et pirate. Il manquerait plus qu'on ait une incursion des hauts elfes de Lauterne sur nos terres. Et là, c'est le. Franchement, c'est le champagne. Si je rase juste Belaliad et le Mont Vautour, ça va peut-être calmer les nains. Mais il faut pas oublier que les Bretonniers ont encore deux villes. Ok. Oh, ils nous pillent, ils s'attendent. En supérieur, on aura des troupes de meilleur standing. Enfin, d'un peu meilleur standing, on va dire. Là, ça me fait quoi, 3, 6, 7. On va virer ça. Non. Ça va bouffer, il est tout bien. Ça nous fait un 6ème artis, un arquebusier. J'aurais pu recruter aussi une. Donc on peut recruter pas mal d'unités. Alors, réfléchissons. Deux arquebusiers. Un lancier. Et voilà. Hop, l'armée est reformée. Ils ont 6 et 7, 13 unités. Admettons que j'attaque cette armée là. Ça donnerait quoi? Par curiosité. Hein. Ça donnerait du. Alors ça fait quoi qu'ils ont comme troupe? Ils ont un trébuchet, ok, 440. Nous on a que 380. Ils ont quand même de, pas mal de caves les cons. Hoist sails! Get us out of here! Admettons, je recrute juste un régiment. Qu'est-ce que je pourrais recruter? Mosley glows bright. Strike now, crewmen. Une attaque éclair évidemment, donc là ça nous fait du 50-50 avec une armée de base et un mortier. Ils ont combien d'archers? Ils en ont 6, nous on a 3, 4, on a 8 fantasmes, 8 arquebuses plus un mortier, ouais. Il y a peut-être moyen, et puis on a les lanciers pour que tenir la cavalerie à distance. Eh ouais, on va la tenter la prochaine fois. J'aurai pas le temps de la faire malheureusement. Donc la première armée, on s'en occupera vite fait. Ils ont de la pointe cavalerie, on va pas se le cacher, hein, les Bretonniens, c'est bien connu. Mais si on fait tomber Alaïk, ça serait parfait, quoi. Au moins les amochés au maximum. Ouais, deux hommes d'armes, ça vaut rien. On n'a pas d'antilarge, donc là, ce sera inutile. Marie Reynaud, elle sera au niveau 6, si ça continue. Ouais. Du coup, je vais vous laisser là pour l'épisode 13 avec le comte Noctilus Van Karstein. J'espère que cette vidéo vous plaira. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Si vous avez un commentaire ou autre affaire, n'hésitez pas. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, les amis, je vous encourage à le faire. Je vous dis à la prochaine. C'était Kaiser von Karstein. Merci d'avoir suivi, les amis, et à bientôt.